J'entre dans tes parvis, oh, avec des louanges, oh, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Oh oui, Seigneur, je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, oh, j'entre dans tes portes, oh, j'entre dans tes parvis. Oh oui, Seigneur, oh, avec des louanges, oh, me vends toi, me voici. Alléluia, bienvenue à chacun, donc à ceux qui nous rejoignent sur le net, à vous ici, soyez bienvenus, vraiment nous voulons commencer cette journée, ces rencontres du matin, donc que nous allons poursuivre jusqu'à vendredi, donc nous voulons vraiment nous placer dans la présence de Dieu. Dans Colossiens au chapitre 3, il nous est dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Amen. Amen. C'est une parole forte que le Seigneur nous donne là, hein, il nous dit, eh bien, que nous sommes morts aux choses d'ici-bas et que nous devons de ce fait rechercher les choses qui sont en haut.
C'est un effort que nous avons à faire. Il y a deux verbes qui sont employés. Là, il nous est dit d'abord chercher. Et chercher quelque chose, ce n'est pas toujours évident. Hein. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je ne trouve jamais rien. Hein. Quand j'ai perdu quelque chose, je cherche. Alors, j'appelle ma femme au secours. Elle trouve beaucoup plus rapidement que moi. Hein. Mais il faut faire un effort. Il faut chercher la présence de Dieu. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont là pour nous distraire, pour nous éloigner de cette présence. Et le deuxième verbe, c'est affectionnez-vous. C'est-à-dire l'affection, c'est quelque chose qui est en rapport avec l'amour. Et nous devons aimer les choses d'en haut. Alléluia! Et Dieu nous fait le privilège vraiment pendant cette semaine de mettre du temps à part. Bien sûr, nous aurons sans doute d'autres occupations, mais il y a une chose que nous voulons mettre à part essentielle, c'est d'être dans la présence de Dieu. Alléluia! Est-ce qu'on est d'accord? On va chercher cela, hein? on va chercher, on va s'affectionner à cela, tous ensemble. Alors juste, je voudrais prier, puis après on va laisser la place à la louange, mais peut-être avant, on va chanter ce petit cœur qui nous dit « J'entre dans le sanctuaire, j'entre dans le sanctuaire. » Alors pour adorer mon Père, pour adorer Jésus, pour adorer l'Esprit de Dieu, t'adorer, Seigneur, pour adorer mon Père, pour adorer Jésus, pour adorer l'Esprit de Dieu, pour adorer. Oh Seigneur, nous voulons te rechercher. Oh, nous voulons nous affectionner aux choses d'en haut. Laissez tout le reste, Seigneur, pour te rechercher. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons te rechercher vraiment. Nous voulons aller dans ta présence. Nous voulons vraiment nous affectionner à cela. Mettre toute notre attention, mais aussi toute notre affection, Seigneur, pour vivre avec toi. Nous voulons nous tenir à ton écoute pendant cette journée, ces journées qui sont devant nous. Nous voulons que tu nous touches, que tu nous parles, Seigneur. Nous voulons aller plus loin avec toi. Nous voulons élever le niveau dans ta présence, Seigneur. Merci Seigneur, conduis maintenant ce temps de louange, Seigneur. Nous te le remettons, nous te le confions dans le bon nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes dans la joie d'être là ce matin, la joie d'être au début d'une semaine de prière où Dieu va agir, où Dieu va nous parler, où Dieu va nous changer. Amen. Est-ce qu'on peut lancer un cri de joie ce matin? Alléluia! Alléluia, avec des cris de joie, nous voulons l'accueillir ce matin, nous voulons le célébrer. Nous nous attendons à lui pendant toute cette semaine. Alors chantons. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élève. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche. Mon âme te recherche. Et soupire après toi. Et soupire après toi. Sur la terre desséchée. Alors chantons avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai.
je pense à toi. Lorsque je pense à toi. Et serai sur ma cour. Et serai sur ma cour. Je médite sur toi. Je médite sur toi. L'éveil de la nuit. Alors avec des cris de joie ce matin. Avec des cris de joie. Nous voulons le louer, le chanter, l'accueillir ce matin. Et te célébrer. Avec des cris. Avec des cris de joie. Ma bouche le chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Je connais le bonheur. Je connais le bonheur. À l'ombre de tes ailes. À l'ombre de tes ailes. Car tu es mon secours. Et ta droite, ta droite me soutient. Alors avec des cris de joie ce matin. Avec des cris de joie. Ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Je me réjouis encore, car sa promesse, il est la joie du Seigneur.
suis sa demeure, oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. Alléluia! Il est en moi. Nous nous réjouissons ce matin, l'Esprit du Seigneur est là. La joie du Seigneur est là. Alléluia! C'est un esprit de vie. Esprit de vie, de liberté. Oh, dis-lui, remplis-moi pendant cette semaine. Jaillisse en moi, je veux ta joie, joie, joie. Oh, dis-lui, esprit de vie, esprit de vie, de liberté. Viens, remplis-moi jusqu'à tes portées. Je veux être rempli de toi, renouvelé de ta présence. Je veux ta joie, joie, joie. Encore une fois, dis-lui, esprit de vie, de liberté. Remplis-moi, remplis-moi jusqu'à tes portées. Je t'aime.
t'accueillir ce matin. Alléluia, quand tu es là, toute la différence est là. Ce matin, tu fais la différence dans cet endroit, Seigneur. Nous ne sommes pas venus pour chanter, nous ne sommes pas venus juste nous réjouir, mais nous sommes venus rencontrer notre espoir, notre espérance, celui qui a la solution, celui qui renouvelle, celui qui restaure ce matin. Nous nous attendons à lui, nous avons soif de sa présence. Toi, Seigneur, nos cœurs soupirent.
Continue à l'adorer, il veut te remplir tout à nouveau. Au début de cette semaine, l'Esprit du Seigneur est là. Elle remplit, il remplit, il remplit la décolia. Ishoria de Yamanaya, Ikoria de Yamanaya, Ikoria. Le chant, quand il descend, oui, tout s'arrête. Tout s'arrête. On va laisser vraiment l'Esprit de Dieu prendre le contrôle après. On va prendre un moment pour prier avant d'écouter la parole de Dieu. J'aimerais qu'on chante encore ce chant, vraiment, que ce soit notre aspiration et en même temps notre constatation. Quand il descend, tout s'arrête. Alléluia. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Il descend, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. L'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre.
Laisse-toi renouveler. Il guérit, Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton esprit que tu répands en abondance sur ton peuple rassemblé, Seigneur. Merci parce que cet esprit est aussi répandu sur tous ceux qui sont connectés, qui suivent cette rencontre. Soyez bénis également, vous n'êtes pas à l'écart. L'onction de ce lieu est aussi dans votre lieu, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. On va applaudir le Seigneur. Alléluia. Merci à l'équipe de louanges. Je vais appeler le frère Wally. Voilà, c'est... Alléluia, voilà. Gloire à Dieu. On va prendre du temps maintenant pour prier avant d'écouter la parole. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il nous dit dans le psaume 29, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Est-ce que vous redonnez gloire au Seigneur? Alléluia. Alléluia, alléluia. Après ce temps de confinement, après ce temps de pandémie, on peut donner le, on peut faire mieux. Le Seigneur nous a fait grâce. Alléluia. Et nous avons mis vraiment cette semaine de côté et nous allons vraiment prier pour cette semaine. Il nous dit rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel vraiment gloire pour son nom. Élevez la voix, élevons la voix vraiment pour par des acclamations pour le Seigneur. Alléluia. Pendant cette semaine, vraiment, le Seigneur nous a mis vraiment de côté cette semaine pour vraiment prier. Et le Seigneur vraiment a quelque chose à dire en fait à son peuple. Le Dieu de gloire en fait va agir. Il va agir pour toi, il va agir pour ta famille, il va agir aussi pour l'Église, il va agir en fait pour tous ceux que tu connais en fait. Et le Seigneur vraiment, c'est pour cela que nous allons prendre ce temps pour prier. Je vous invite vraiment à élever la voix parce que la voix de l'Éternel vraiment fait des choses. Alléluia. Alléluia. Nous allons vraiment prier en ce sens. On va vraiment prier pour cette semaine de jeûne et de prière, que la voix de l'Éternel vraiment puisse briser les obstacles, vraiment puisse faire tomber les murailles, vraiment puisse briser la tête de l'ennemi. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble? Alléluia. Oui, Seigneur, nous savons que tu es dans toute puissance, Père Saint, dans ta toute puissance, que tu vas faire de grandes choses pour nous pendant cette semaine. Et comme tu dis, Père Saint Papa, nous voulons vraiment que ta voix, Dieu Tout-Puissant, que ta voix nous conduit. Que ta voix vraiment nous aide à aller plus loin avec toi, Père Saint. Après tout ce temps, ô Dieu Tout-Puissant, où il y avait ce temps de panique, ce temps de peur, Père Saint. Et tu nous as mis, Père Saint, de côté cette semaine, Dieu Tout-Puissant, pour un renouvellement. Cette semaine, Dieu Tout-Puissant, Papa, pour quelque chose de nouveau dans notre vie, pour un nouveau souffle, Père Saint. Et nous savons que la voix, ta voix, ô Éternel, va briser tous les obstacles qui peuvent se dresser devant nous pendant cette semaine. Il va vraiment briser la tête de l'ennemi. Alléluia. Élève ta voix là où tu es. La voix de l'Éternel va déplacer les montagnes. La voix de l'Éternel va faire tomber les murailles qui vont se dresser. Alléluia. Élève ta voix, élève ta voix. Alléluia. Il nous dit au verset 7, la voix de l'Éternel fait jaillir les flammes de feu. Élève ta voix pendant ce temps, vraiment, pour que le Seigneur, la flamme du Seigneur, consume tout mal en toi. Consume tout ce qui t'empêche vraiment d'avancer au Seigneur. Consume le péché en toi. Consume toutes ces,
tout ce qui t'empêche vraiment d'avancer au Seigneur. Élève ta voix, demande au Seigneur que la voix de l'Éternel consume le mal en toi, consume tout ce qui est mauvais. Alléluia. Oui Seigneur, nous voulons que ta flamme, par ta voix Seigneur, que tu consumes vraiment le mal en nous, Dieu Tout-Puissant, qu'il n'y ait plus de place en nous pour le mal, plus de place en nous pour le péché. Alléluia. Alléluia. Il nous dit aussi dans la voix de l'Éternel, rend fécond. Nous allons vraiment prier pour que cette semaine soit une semaine où nous soyons féconds. Alléluia. Que tu sois productif, hein, vraiment. Tout ce qui était stérile dans ta vie pendant cette semaine, que cela reprenne vie. Alléluia. Élève ta voix en ce sens. Alléluia. Oui, nous savons que ta voix, ô Éternel, fait enfanter les biches. Et nous savons que tu vas enfanter, que tu vas faire... rendre fécond, Dieu Tout-Puissant, chaque famille de l'Église, Dieu Tout-Puissant, chaque personne, là où ils étaient stériles dans leur vie, pendant cette semaine, Dieu Tout-Puissant, qui est vraiment la vie dans chaque foyer, qui est vraiment la vie au CRC, qui est vraiment la flamme au CRC, Dieu Tout-Puissant, la flamme de chaque famille. Oh Père Saint, merci. Merci pour ta voix, parce que quand tu parles, Seigneur, tu agis. Ta parole ne reste pas sans effet. Alléluia. 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 Une semaine de victoire, une semaine de pleine d'autorité. Une semaine de victoire pour toi, une semaine pleine d'autorité. Est-ce que tu peux dire ça? Une semaine de victoire pour moi, une semaine de victoire sur ta famille, une semaine de victoire sur l'autorité, une autorité que tu vas prendre sur tes ennemis, une autorité que tu dois prendre sur tous tes obstacles qui se dressent devant toi. Alléluia, une semaine de victoire pour toi, une semaine de victoire. Ne laisse pas passer cette semaine sans qu'il y ait un changement profond dans ta vie. Ne laisse pas passer ce moment sans qu'il y ait vraiment un renouvellement dans ta vie. Élève ta voix. N'arrête pas de prier. Alléluia. Une semaine pleine de promesses. Une semaine pleine de promesses. Alléluia. 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 Il faut que pendant cette semaine, il faut que les géants qui se dressent devant toi se tombent. Alléluia. Il dit dans le psaume 68, vraiment, il dit, quand Dieu se lève, les ennemis sont dispersés. Quand Dieu se lève, les ennemis sont terrassés. Quand Dieu se lève et il veut se lever avec toi. Est-ce que tu veux te lever avec le Seigneur? Lève-toi maintenant là où tu es et commence à faire tomber tes ennemis. Quand Dieu se lève, les ennemis tombent. Quand Dieu se lève, les ennemis tombent. Quand Dieu se lève, les géants tombent. Quand Dieu se lève, oui, tes ennemis se dispersent. Tes ennemis se dispersent. Alléluia, tes adversaires fuient quand Dieu se lève. Alléluia, alléluia. Élève ta voix. Élève-toi, dresse-toi devant le trône de grâce. Et là, tu vas voir tes ennemis. Tu vas voir vraiment tous tes échecs tomber. Tu vas voir tes maladies tomber. Alléluia, tout va être terrassé pendant cette semaine. Tu auras un nouveau témoignage cette semaine. Tu auras un nouveau témoignage. Ouvre ta bouche. Alléluia. Alléluia. Une semaine pour le CRC et pour les autres aussi. Nous savons que cette semaine, dans un premier temps, ce sera dédié à l'Église, mais la deuxième partie, ce sera pour ceux qui sont abandonnés, ce sera pour ceux qui sont délaissés, ce sera pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Si tu connais un membre de ta famille, un collègue, un ami, pendant ce temps-là, élève ta voix. On va élever la voix pour prier pour toutes ces personnes. Pendant ce temps d'évangélisation que nous allons mettre à part, que vraiment pendant cette semaine, qu'il y ait un membre de ta famille qui soit sauvé, qu'il y ait un de tes collègues qui soit sauvé, qu'il y ait un voisin qui soit sauvé. Élève ta voix pour cette personne-là. Tu peux dire son nom. Oui, Seigneur, je remets mon voisin entre tes mains. Je remets mon collègue entre tes mains. Oui, pendant cette semaine, Dieu Tout-Puissant, je vais mettre un temps à part pour prier pour eux. Je vais mettre un temps à part pour intercéder pour eux. Alléluia, élève ta voix. C'est une semaine où tu vas gagner des âmes pour Christ. C'est une semaine où tu vas défendre ceux qui sont les plus faibles, que tu vas ramener leur cas devant le trône de grâce. Alléluia. Élève ta voix, pense à quelqu'un et prie pour lui pour ce moment. Et prie pour cette personne. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui sont orphelins, oh, leur rappeler que voilà, oh, le Seigneur est le Père des orphelins. Il est celui qui connaît les cœurs, ceux qui sont tristes, ceux qui sont abandonnés. Nous les remettons entre tes mains, Père Saint. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia.
Notre Seigneur donne force. Il donne la force à son peuple. Notre Seigneur donne la force au CRC. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le Seigneur va te fortifier. Il va te fortifier cette semaine. Il va te renouveler. Alléluia. Le Seigneur va te bénir cette semaine et il va te rendre heureux. Tu vas avoir la joie du Seigneur sur ton visage, la joie du Seigneur dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Si tu le crois, est-ce que tu peux crier gloire? Est-ce que tu crier gloire? Il nous dit, la voix de l'Éternel va retentir. Alléluia. Et nous savons que le Seigneur va utiliser les intervenants, les orateurs, les orateurs, merci, alléluia. Il va utiliser les orateurs, en fait, pour faire passer son message. Alléluia. Et nous allons vraiment prier pour chaque intervenant, que la voix de l'Éternel puisse les utiliser, qu'ils puissent passer à travers des intervenants pour vraiment faire passer le message de l'Évangile. Alléluia. Élève la voix et demande au Seigneur vraiment de les conduire par l'Esprit, de les conduire vraiment par l'Esprit et qu'ils soient vraiment disponibles pour recevoir la parole de l'Éternel, pour recevoir la voix, pour entendre la voix de l'Éternel et nous la transmettre. Alléluia. Oui, Seigneur, nous remettons chaque intervenant entre tes mains. Chaque intervenant entre tes mains, nous les remettons entre tes mains, Père Saint. Et oui, qu'ils soient disponibles, qu'ils se préparent dans l'humilité, Père Saint, Papa. Qu'ils soient à l'écoute de ta parole, que leur cœur soit disponible à t'écouter. Alléluia. Et que tu déverses sur eux ta grâce, que tu déverses sur eux, Père Saint, Papa, ta faveur. Et qu'ils soient remplis de tout puissant pour qu'ils puissent déverser, qu'ils puissent vraiment remplir, puissent donner, Père Saint, Papa. Alléluia. 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 Nous allons vraiment demander que ces moments de préparation soient faits dans l'humilité, vraiment qu'ils s'abaissent pour que le Seigneur puisse croître en eux, vraiment qu'ils se mettent de côté vraiment pour que le Seigneur puisse agir. Et quand tu te mets de côté, le Seigneur, il agit puissamment, il prend le plein contrôle. Nous allons vraiment demander parce que nous voulons recevoir quelque chose de fort. Alléluia. Élevons la voix dans ce sens. Seigneur, nous vraiment qu'ils soient vraiment remplis d'humilité, Dieu Tout-Puissant, dans leur préparation, que tu prépares leur cœur vraiment à t'écouter, Dieu Tout-Puissant, et qu'ils soient vraiment remplis de ta sagesse, remplis, Père Saint-Papa, de ta connaissance, remplis de ta parole, vraiment qu'ils se mettent à l'écart, Dieu Tout-Puissant, qu'ils se mettent de côté, que toi, que tu puisses croître en eux, que toi, que tu puisses grandir, Père Saint. Alléluia, 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 alléluia. Merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur. Est-ce que tu es prêt à recevoir quelque chose cette semaine? Est-ce que tu es prêt à recevoir quelque chose cette semaine? Je peux te dire, il y aura quelque chose pour toi et c'est quelque chose qui va te conduire plus tard. Alléluia. Nous allons vraiment prier vraiment pour que cette semaine soit une semaine où nous allons voir la majesté de Dieu. Nous allons voir la puissance de Dieu se manifester dans cette salle. Alléluia. Nous allons voir vraiment la puissance de Dieu manifester dans la vie de chacun d'entre nous. Élève ta voix et demande cela au Seigneur. Dis, Seigneur, je veux voir ta gloire briller sur ma vie. Je veux voir ta gloire régner. Je veux voir ta gloire vraiment dans ma vie, Seigneur Jésus. Alléluia. Ouvre ta bouche là où tu es. Là où tu te trouves, vraiment, lève tes mains et ouvre ta bouche. Et demande vraiment qu'il y ait un renouveau dans ta vie. Demande qu'il y ait un renouveau dans ta vie. Un renouveau dans ta vie. Oh, la voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel. Tu dois entendre la voix de l'Éternel cette semaine. Tu vas entendre la voix de l'Éternel cette semaine. Après ce temps de confinement, après ce temps de peur, après ce temps de panique, laisse-toi, ouvre ton cœur au Seigneur. Ouvre ton cœur au Seigneur et laisse-le. Alléluia, alléluia. Ah oui, la voix de l'Éternel va retentir cette semaine dans toute sa puissance. Et là, tu vas prier vraiment pour ta famille, que la voix de l'Éternel vraiment puisse se retentir vraiment sur tes projets, sur tes finances, sur tes études, sur ton mariage, sur tout ce que tu as fait, sur tout ce que tu prévois, sur tout ce que tu veux voir pour l'avenir. Des fois, on voit qu'il n'y a pas d'espoir et on nous fait peur parce que le marché s'effondre. On ne sait plus comment relancer le marché. Mais là, maintenant, élève ta voix et demande vraiment que le Seigneur puisse te parler, qu'il ouvre vraiment tes yeux pour que tu vois vraiment, pour voir vraiment ce qui va se passer pour toi. Élève ta voix. Merci, Seigneur, parce que nous savons que pendant cette semaine, tu vas nous montrer vraiment tout ce que tu as prévu pour nous. Parce que nous proclamons vraiment que cette semaine soit une semaine de victoire, semaine de victoire sur la vie de nos enfants, une semaine de victoire sur notre famille, une semaine de victoire de Tout-Puissant sur l'Église, une semaine de victoire de Tout-Puissant
sur les mariages, sur les couples, une semaine de victoire, Dieu Tout-Puissant, sur les finances de chaque personne de l'Église, Dieu Tout-Puissant, une semaine de victoire, Dieu Tout-Puissant, pour l'Église. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec toute autorité? Et tu prends ton autorité pour attraper, pour arracher ce que l'ennemi t'a volé. Alléluia, est-ce que tu peux crier alléluia? Oui, tu as vaincu les géants, tu as vaincu le malin. Alléluia. Et ouvre ta bouche, ouvre ta bouche, ouvre ta bouche et glorifie le Seigneur. Oh, une semaine de gloire, une semaine de gloire, une semaine de gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Alléluia. 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 Oh, oh. Alléluia. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, il est là. Le Saint-Esprit est là, oh oui, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Alléluia, le Seigneur a envoyé son Esprit, il a dit aux disciples, je ne vous laisserai pas seul, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Alléluia, c'est une joie extraordinaire et je voudrais qu'on prie maintenant, qu'on passe encore quelques minutes pour prier, pour dire, eh bien, c'est reparti. Alléluia, c'est reparti. Alors je sais qu'il y a eu le confinement et puis c'est difficile de se remettre en route hein, et puis il y a comme un air de vacances qui est là aussi, et c'est normal, mais j'aimerais lire quelques versets dans Éphésiens au chapitre 5. Et au verset 15, à partir du verset 15, Éphésiens 5, verset 15, il nous est dit, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, c'est-à-dire avec sagesse, avec, voilà, avec réflexion, je dirais, non comme des insensés, mais comme des sages, alléluia, comme des gens qui ont la sagesse de Dieu. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Est-ce que le Covid-19 a changé quelque chose à cela? Non, il faut racheter le temps. Confinement, déconfinement, confiture, déconfiture, tout ce que vous voudrez, il faut racheter le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi, bien-aimés, ne soyons pas inconsidérés, mais comprenons quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Et la volonté du Seigneur, c'est que nous allions de l'avant. Alors je sais qu'il y a encore des contraintes qui sont là, que nous voulons respecter. Je sais que ce n'est pas facile, on ne peut pas se réunir encore tous à l'église. Je sais que, bon, ben, il y a des enfants qu'on ne peut pas mener à l'église, etc., etc. Mais il faut vraiment que toute l'église reparte vraiment. Comme s'il n'y avait pas cette histoire du Covid-19. Voilà, nous, on est vainqueurs sur le Covid-19. On ne fait pas n'importe quoi, mais on a la victoire. Comme sur la maladie, quelle qu'elle soit, qu'elle s'appelle n'importe comment, Dieu nous donne la victoire. Dieu est notre protection. Alléluia. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on prie pour chasser toute crainte, vraiment. Chasser la crainte. Ne crains pas, dit le Seigneur. Alors, c'est facile de le dire, hein. Mais le vivre, des fois, c'est autre chose, hein, parce qu'on entend tellement de choses autour de nous. J'aimerais qu'on puisse prendre un moment maintenant pour prier, pour chasser la crainte dans le nom de Jésus. Amen. On le fait ensemble, bien-aimés. Oui, nous prenons l'autorité maintenant. Nous prenons l'autorité que Jésus nous donne pour chasser toute crainte, pour nous opposer vraiment à toutes les peurs que Satan veut mettre devant nous pour nous empêcher de racheter le temps, pour nous empêcher d'aller de l'avant, pour nous empêcher de conquérir, pour nous empêcher de vivre vraiment dans la dimension du Saint-Esprit. Nous voulons vraiment nous opposer à la crainte. Nous sommes un peuple libre, libre,
libre de toutes choses. C'est toi qui nous tiens, Seigneur. C'est toi qui nous gardes. Tu envoies même tes anges pour nous porter afin que notre pied ne chancelle pas. Oh Seigneur, nous voulons prendre cette victoire pour tout le CRC, vraiment. Pour chaque homme, chaque femme, vraiment. Nous réclamons la victoire. Nous réclamons la victoire sur la crainte. Donne-nous de l'assurance, Seigneur. Donne-nous l'assurance. Oh Seigneur, nous regardons vers ceux qui nous ont précédés. Nous les voyons, Seigneur, aller de l'avant dans des situations difficiles, dans l'opposition, dans la persécution, dans les coups même. Oh, ils n'ont pas craint, ils ne craignaient pas, ils étaient en marche et rien ne pouvait les arrêter. Nous ne voulons pas être arrêtés, nous voulons que l'Église avance parce que les temps sont mauvais. C'est le moment de conquérir, c'est le moment d'aller de l'avant, c'est le moment de triompher. Alléluia, alléluia, alléluia. J'aimerais qu'on prie aussi, bien-aimés, parce que, vous savez, il y a l'habitude de la facilité qui prend racine en nous. Ben oui, moi je vois ça avec les intercesseurs, c'est plus facile d'intercéder chez soi, en pantoufles, hein, ou comme vous voulez, hein. Et puis on a une heure d'intercession, on s'y met 2 minutes avant, et puis 2 minutes après c'est fini, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas... Oui, pour le culte c'est pareil, pour toutes les rencontres c'est pareil, on prend vite le pli, hein. Ma femme parlait avec l'épouse d'un serviteur de Dieu avant de venir ici et elle disait mais c'est la même chose. On n'arrive plus à faire venir les gens dans l'église. Ils se sont tellement habitués à suivre le culte sur le net que ben voilà, ils se contentent de ça maintenant. Mes amis, il faut qu'on lutte contre je sais pas comment dire, cette langueur qui est là, quoi. Cette facilité peut-être, hein. Parce que le net, c'est une chose, ça nous a été utile quand on ne pouvait pas faire autrement, mais quand on peut faire autrement, être ensemble, hein, c'est formidable. Alléluia, alléluia, alléluia. Hein? Maintenant, on veut tout faire sur le net. Je ne veux pas être méchant, pas être de dire des choses, mais bon, il n'y a rien à faire. La réalité, c'est mieux que le net. Alors on se sert du net pour quand on ne peut pas faire autrement. Mais quand on peut faire autrement, on va prier maintenant. Que ces habitudes soient chassées du peuple de Dieu, soient chassées du milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui fait des efforts, un peuple qui va de l'avant, un peuple qui a le désir de se retrouver, qui a le désir même de croiser le regard d'un frère, d'une sœur, même si nous ne pouvons pas nous embrasser, même si nous ne pouvons pas nous serrer la main. Mais nous voulons être ensemble, ensemble, ensemble dans sa maison, ensemble autour du Seigneur, ensemble pour le célébrer. Alléluia, prions bien-aimés pour que toutes ces habitudes vraiment soient chassées. Nous les démasquons, nous voulons racheter le temps, nous voulons racheter le temps. Les jours sont mauvais et les jours sont encore plus mauvais maintenant que jamais. Oh, nous avons besoin d'aller de l'avant. Nous avons besoin que ton peuple s'affermisse, Seigneur. C'est le moment de repartir. C'est le moment de conquérir. C'est le moment d'aller plus loin. C'est le moment, vraiment. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, nous chassons. Nous chassons tout l'esprit de facilité humain. Nous chassons vraiment les facilités que nous avons, qui s'incrustent dans nos têtes, qui s'incrustent dans nos esprits. Nous voulons vraiment vivre ta parole. Nous voulons vivre ta parole. Oh Seigneur, pardon. Pardon parce qu'il y a des frères et sœurs qui n'ont même pas la liberté de se retrouver. Et ils aspirent à cela. Et nous l'avons. Nous l'avons et nous voulons la saisir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous voulons nous rassembler dans ta maison, Seigneur. Nous voulons vraiment que nous soyons nombreux, même tant pis si on doit refuser, mais nous voulons nous croiser, nous voulons nous voir, nous voulons nous sentir. Alléluia, 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 alléluia. C'est le moment de repartir, bien-aimés. C'est le moment de repartir. Nous ne voulons pas rester dans cet état-là, mais nous voulons repartir. Nous voulons que, même déjà pendant cet été, je sais que c'est la période des vacances, il y en a qui s'en vont, il y en a qui reviennent, on est moins nombreux, mais on n'a pas beaucoup de réunions non plus à l'église, hein. Donc il faut que les réunions qu'on a,
on soit là. Alléluia. On soit là. Alléluia. On soit là. Alléluia. Même si on doit mettre une heure pour venir, on viendra. Amen. 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 Hein? Moi, je me souviens quand on fait des séminaires en Afrique, des fois, il y a des gens, ils marchent pendant 2 jours pour venir au séminaire. Ils n'ont pas les moyens pour se payer les transports, mais ils vont faire des fois 40, 50 kilomètres à pied pour pouvoir venir au séminaire et assister au séminaire. Et bien aimé, des fois, nous avons des facilités dans notre société. Et il y a un petit trou comme ça qui vient un petit peu nous demander un petit effort. Et on pense que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Hein? Moi, je dis, vous savez, il faut faire attention. On est dans une société d'assistés. Moi, je ne sais pas comment vous voyez les Français, mais moi, je vois les Français comme des petits oiseaux dans le nid qui ont toujours le bec ouvert. Ah, ah, recevoir, recevoir, recevoir. Mais Dieu nous a donné autre chose. Alléluia! Alléluia! Il veut que non seulement nous recevions, parce qu'il saura nous donner ce qu'il faut, mais il veut que nous allions nous attraper les choses pour les autres et donner aux autres, que nous faisons les efforts. C'est le moment de repartir. Rachetons le temps, bien-aimés. Les jours sont mauvais. Ne nous laissons pas endormir. Alléluia! Prions encore quelques secondes sur ce sujet. Ne nous laissons pas endormir. Nous voulons le réveil. Nous voulons le réveil. Nous voulons le réveil, vraiment. Le réveil d'en haut. Le réveil qui nous bouscule. Le réveil qui nous appelle à aller de l'avant. Le réveil qui nous pousse vraiment à conquérir. À conquérir, vraiment. Oh Jésus, tu es vivant, tu es puissant. Nous voulons faire des efforts. Nous ne voulons pas être là simplement comme des assistés pour recevoir, mais nous voulons donner. Nous voulons être de ceux qui donnent, de ceux qui apportent, de ceux qui transmettent cette parole puissante que tu nous as laissée, Seigneur. Merci pour cette parole. Merci parce qu'elle est là, Seigneur, et elle va nous vivifier encore. Louange à toi, Jésus. Amen. Amen. On va applaudir Jésus, vraiment. Seigneur. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. On a chanté, le Saint-Esprit nous renouvelle. Alléluia. On veut que pendant cette semaine, nous soyons un peuple renouvelé. Moi, je veux être quelqu'un de renouvelé. Alléluia. Je parlais par WhatsApp avec quelqu'un ce matin, et puis je lui disais comme ça, voilà, on commence 2 journées de jeûne. Alors cette personne m'a répondu, « Ah, tu as l'air d'aimer le jeûne, toi. » Je lui ai dit, « Non, non, j'aime pas le jeûne, mais j'aime le résultat du jeûne. J'aime vraiment le Seigneur qui nous parle, le Seigneur qui nous transporte. » C'est ça. Et dans ces journées, bien-aimés, tenons-nous à l'écoute. Hein. Nous ne sommes pas là. Le jeûne, ce n'est pas fait pour exiger de Dieu. « Seigneur, je jeûne, alors il faut que tu me donnes. » Non, 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 non. Le jeûne, c'est se tenir devant Dieu et dire, « Seigneur, parle-moi. Je veux faire ta volonté. » Alléluia. Alléluia. On va applaudir Jésus, puis vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Voilà. Donc, ce n'est pas moi qui prêche là, parce que quand on part, vous savez, un pasteur, quand on lui donne le micro, il continue après. Hein. Mais nous avons un serviteur de Dieu que nous connaissons bien, le pasteur Marcos, qui est là avec nous. Et nous le remercions d'être venu aujourd'hui parmi nous. C'est lui qui va nous apporter la parole de Dieu ce matin. C'est lui qui la portera aussi ce soir sur notre rencontre sur le net. Alors sans plus attendre, hein, Marc, je te laisse la place. Hein. Alléluia. Tu prends le micro sans fil là-bas. Tu prends le micro sans fil là, voilà. Chacun son micro. Hein. Alléluia. Respecte les règles. Amen. Bienvenue aussi donc à ceux qui... Donc, suivez sur le net, que le Seigneur puisse aussi donc vous faire sentir ce que nous sentons ici. C'est la présence du Seigneur, c'est une soif de Dieu, c'est un désir de véritablement être à l'écoute de la voix de Dieu. Et donc, moi, je trouve que c'est vraiment extraordinaire qu'en plein été, en temps de vacances, qu'est-ce que l'Église fait? Mais on va passer un moment à jeûner, à prier, à chercher la face de Dieu. Alléluia! Alors, l'Église, elle est vivante. Amen. Elle est triomphante, elle est victorieuse parce qu'elle est dans le cœur de Dieu, tout simplement. Donc, confinement, pas de confinement. Donc, l'Église, elle est toujours vivante. L'Église est toujours vivante parce que le Seigneur est à l'œuvre. Et ce matin, j'aimerais vous lancer un défi.
Est-ce que la priorité de notre cœur est véritablement de prier le maître de la moisson et lui dire, Maître, envoie des ouvriers. Envoie des ouvriers. Je voudrais entonner un chant, même si c'est a cappella. Mais écoutez bien donc les paroles de ce chant. Une petite fille à Mexico, un prof de maths en Inde, et en Afrique un ouvrier, un boulanger à Paris, des hommes et des femmes partout dans le monde n'ont jamais su, n'ont jamais compris que Dieu les aime aussi. Des millions d'âmes restent sans savoir, qui ont faim du pain de vie, qui peut sauver leur âme. Des grandes multitudes n'ont jamais entendu. Il faut qu'ils ressentent leurs grands besoins, pour ils doivent comprendre que Dieu les aime. Que Dieu les aime. Les champs sont blancs, prêts pour la moisson, même s'il y a manque d'ouvriers. Mais par sa force, notre monde saura. C'est Christ leur espérance, dans la foi et l'amour. Des millions d'âmes restent sans savoir, qui ont faim du pain de vie, qui peut sauver leur âme. Des grandes multitudes n'ont jamais entendu. Il faut qu'ils ressentent leurs grands besoins. On doit prêcher pour qu'ils comprennent. Que Dieu les aime, que Dieu les aime. La moisson. La moisson est chère à notre cœur. La moisson est préparée dans le cœur de Dieu. La moisson est prête à être recueillie, à être récoltée. Et c'est pour cela que l'Église est là. Je voudrais que vous lisiez, que vous ouvriez vos Bibles à Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Dans ce chapitre, nous voyons donc un contexte dans lequel Jésus est en train de montrer l'authenticité de la puissance de Dieu en lui, l'authenticité donc du fait qu'il est l'envoyé de Dieu et qu'il est donc... appelé à manifester la puissance de Dieu. Dans le contexte du chapitre 9 de Matthieu, en tant que Messie, il manifeste les miracles qu'il doit accomplir. Il guérit un homme paralytique. En plus, il lui dit, tes péchés te sont pardonnés, chose qui met vraiment en colère les pharisiens, parce que qui peut pardonner des péchés que Dieu lui-même. Il appelle Matthieu à le suivre. En plus, il va manger avec lui après l'avoir appelé. Et les autres gens de mauvaise vie d'après les pharisiens. Mais Dieu voit le cœur de chaque personne. Jésus a vu la nécessité de passer du temps avec les gens de mauvaise vie. Quand on voit quelqu'un qui est le long du chemin, qui est méprisé. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec les drogués, avec les alcooliques depuis ma jeunesse. Et alors, combien de fois les gens disaient, ah, mais lui, ça ne vaut pas la peine. Hein? Ça ne vaut pas la peine. Ah non, mais on a déjà insisté auprès de lui, on a déjà essayé de l'aider pendant des mois et des mois, et il ne voulait rien savoir. Alors, je ne crois pas que Dieu ait un plan, un projet pour lui. Mais aujourd'hui, moi, j'ai des amis qui sont pasteurs au Mexique, qu'on est allé chercher dans la rue, qui étaient drogués, qui étaient alcooliques, qui faisaient partie de la moisson. Ce n'est pas à nous de décider qui fait partie de la moisson. Jésus, manger avec les gens. Dont les pharisiens disaient, c'est des gens de mauvaise vie. Mais le potentiel que Dieu voit, il va répondre aux questions des pharisiens sur le jeûne, sur Jean-Baptiste. Il va guérir cette femme qui ose toucher le pan de sa robe. Elle se dit, mais je ne suis pas digne de me présenter devant lui, mais je suis malade, j'ai une hémorragie, une perte de sang qui dure depuis 12 ans, c'est incurable. Je vais oser
m'approcher de lui. Et en passant, elle touche le pont de sa robe. Et immédiatement, lui, il dit, qui m'a touché? Les gens lui disaient, mais Jésus, mais il y a la foule. Tu es touché de tous les côtés. Tout le monde cherche à avoir ton attention. Jésus a dit, non. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un avec foi. Quelqu'un qui était dans un grand besoin. Et donc, il se tourne vers elle et il confirme cette guérison. En allant donc pour prier pour la fille de Jaïrus, qui entre-temps est décédée. Et alors il arrive et il ressuscite la fille de Jaïrus. Ensuite il va guérir deux aveugles. Et il va libérer un démoniaque muet qui va parler ensuite une fois que Jésus soit passé par là. Et il affirme l'appel des 12 apôtres avec compassion. Lisons en Matthieu chapitre 9 et verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Retenons bien, c'est sa moisson, ce n'est pas ma moisson. Moi, je travaille dans son champ. Je suis privilégié, je suis dans la joie de pouvoir être à son service. C'est sa moisson. Et c'est pour cela que lui, il prépare les choses. C'est lui dans lequel il détermine aussi le besoin des ouvriers. Il y a un chant qui a été écrit il y a longtemps, il y a quelques années, une quarantaine d'années. J'aimerais tout simplement vous dire les paroles. Maître de la moisson, regarde les champs qui sont prêts à cueillir. Venant des semences parsemées longtemps en arrière. Les cœurs se sont ouverts, par chaque prière ils ont mûri. Tu les as préparés un à un, il est temps de les ramener à la maison. Maître de la moisson, allume ton feu en moi. Des ouvriers, tu en as besoin, ton ouvrier je serai. Donne-moi les yeux de ton esprit, ton cœur de compassion à découvrir, maître de la moisson, montre-moi où aller. Le temps comme le vent se dissipe si rapidement, si vite arrive le demain d'aujourd'hui, si vite nous voyons l'hier s'en aller, si peu de temps pour récolter, si peu de nombre d'ouvriers. Levez-vous, regardez les champs qui blanchissent, comprenez le travail qu'il y a encore à faire. Là où tu m'enverras, maître de la moisson, compte sur moi, j'irai. Maître de la moisson, envoie des ouvriers dans ta moisson. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui se perd. Nous sommes dans un monde qui est à la dérive. Nous sommes dans un monde qui vit selon les dictatures d'une chose et de l'autre, selon les philosophies. Nous sommes dans un monde qui, s'ils n'entendent pas parler de la grâce et l'amour de Dieu, ils seront perdus à jamais. Et si vous êtes ici ce matin, c'est parce que vous avez un amour et une compassion pour le monde qui est perdu. Si vous êtes ici ce matin, c'est parce que vous voulez être aussi inclus dans les rangs des ouvriers, des ambassadeurs. Il faut que Dieu et ses priorités soient au centre de notre cœur. Quelle est la priorité du cœur de Dieu? Mais Dieu montre son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous qui étions loin de Dieu, nous qui étions loin de la foi, il nous a rapprochés. Sa priorité, c'est que la famille de Dieu s'agrandisse. Sa priorité, c'est qu'une âme de plus se repente, qu'une âme de plus s'approche de Dieu. C'est pour ça qu'il y a une grande joie dans le ciel quand un pécheur se répand. Samedi après-midi, j'ai eu la joie de rencontrer un jeune qui s'appelle Matthieu. Et vous direz que le Saint-Esprit avait commencé déjà à préparer son cœur. Il y avait des personnes de l'Église qui lui avaient témoigné. Il y avait des personnes qui avaient laissé des intrigues dans son cœur. Et il m'a téléphoné, il m'a dit, est-ce que je pourrais vous rencontrer? Je sais qu'il y a les protocoles et tout, je viens avec mon masque, etc. Mais est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Parce que moi j'ai besoin de Dieu.
J'ai besoin de Dieu dans mon cœur. J'ai des questions à vous poser. Il est arrivé à 18h. On s'est assis. On a commencé à faire connaissance par le masque. On ne peut pas voir les visages, on ne peut pas voir le sourire, les expressions et tout. Mais alors, il était attentif. Il a commencé à entendre la parole de vie. Et une heure après, il m'a dit, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Je veux la paix de Dieu dans mon cœur. Je veux, je désire, j'ai soif. Mais il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, c'est ça. Pourquoi ? Parce que la moisson est là. La moisson est là. Jean chapitre 4, vous connaissez, donc quand Jésus va rencontrer la femme samaritaine. Et alors, nous n'allons pas lire donc le récit de la femme samaritaine et comment elle a été donc touchée par Jésus. Elle a compris que Jésus voyait tout ce qu'il y avait en elle et que Jésus voulait l'attirer donc à une vie donc de vraie adoration, parce que le Père cherche des adorateurs qu'il adore en esprit, en vérité. Mais les disciples étaient partis pour aller acheter à manger. Alors quand ils reviennent, il voit au verset 27 qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu, de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, mais j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se posaient des questions en disant, mais quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Ne dites-vous pas, il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. La moisson est là. Hors Covid, hors tous les morts qu'on constate jour après jour sur la face de la terre, il y a 150 000 personnes qui meurent par jour. 150 000. Hors Covid, avant le Covid. C'est un fait. 150 000 personnes arrivent à la fin, selon les fuseaux horaires, des 24 heures de leur journée, et ils se réveillent, ou ils se réveillent, ou ils se rendent compte qu'ils ne sont plus sur cette terre, et ils sont dans leur éternité. 150 000 personnes. En Chine, c'est 28 036 qui meurent par jour. En Inde, c'est 25 270 qui meurent par jour. Aux USA, c'est 7 564. En Russie, c'est 5 013. En France, il y a une moyenne de 1508 personnes qui meurent par jour. Qui va déterminer si ces personnes qui meurent par des maladies, par des accidents, par des électrocutions, par des décisions qu'ils prennent, par le suicide, etc. Qui c'est qui va décider si ces personnes vont se trouver au ciel pour toute l'éternité ou ils vont se trouver en enfer pour toute l'éternité? Car l'enfer existe, le ciel existe. Et il faut que nous, on travaille avec le maître de la moisson pour essayer d'avoir une personne de plus qui reconnaît la seigneurie de Jésus, qui reconnaît que Jésus est son sauveur et que ces personnes ne meurent pas sans avoir eu le choix de dire « Je veux Jésus dans ma vie. Je veux Jésus dans ma vie. » Il y a 360 000 naissances par jour. Vous faites la soustraction des 360 000 moins 150 000, la population du monde grandit par 210 000 personnes chaque jour de notre existence. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards et demi. Nous serons encore des milliards dans les années à venir si Jésus ne revient pas avant. Mais alors, c'est un fait. C'est un fait. Moi, dans mon ministère, j'ai accompagné des douzaines de personnes à leur dernier souffle. J'étais là pendant des heures parfois, lorsque la personne agonisait. La famille ne voulait pas être là parce que c'était trop dur d'être présent en présence de la personne qui allait donc mourir.
Et alors ils sont dans le couloir, et moi je suis là, et je chante, et je prie, et donc combien de fois j'ai pu prier pour des personnes qui étaient au bord de la mort, qui ont reçu Christ dans leur cœur, que la paix de Dieu est venue dans leur vie, et qui sont partis directement au ciel, alléluia. Combien de fois aussi donc j'ai parlé avec des gens, j'ai prié pour eux, et alors ils étaient bien lucides, ils ont compris, et ils ont vécu vraiment donc un moment de paix, un moment de joie dans leur cœur. Peut-être 2-3 mois après, c'était le moment quand ils allaient mourir, mais ils partaient dans la paix de Dieu. Mais combien de fois aussi j'étais à côté des personnes qui me disaient, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Dieu. Après la vie, il n'y a rien. Après la mort, il n'y a rien. Donc, comme il n'y a rien, alors moi je ne m'attends pas du tout à ce qu'il y ait quoi que ce soit. Alors, j'ai dû aussi rester parfois à côté de ces personnes. Parce qu'une personne qui va mourir a une hantise. Et j'ai entendu à maintes reprises, ne me laissez pas mourir seul. Ne me laissez pas fermer les yeux seul pour la dernière fois. Ne me laissez pas, ne m'abandonnez pas. Nous savons que lorsqu'on traverse la vallée de l'ombre de la mort, on ne croit aucun mal. On a un berger donc, qui nous protège, et même si on doit faire face à la mort, on ne craint aucun mal. Mais les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, eux, ils ont peur. Ils ont peur de cet avenir dont ils disent est le néant, mais ils ont peur. Moi, j'ai vu des personnes donc, qui agonisaient, des personnes qui criaient, qui hurlaient. La mort n'est pas une belle chose à voir, mais c'est quelque chose qui arrive tous les jours. Et ça, c'est la moisson qui passe jour après jour, après jour, après jour. C'est pour cela que chaque matin, on doit se réveiller en disant, Seigneur, maître de la moisson, envoie des ouvriers. Envoie-moi où tu veux. Fais-moi rencontrer la personne que tu veux que je rencontre. Je me rappelle quand j'allais à l'hôpital de Passy pour prier pour des personnes. Il y avait un frère dans l'église qui travaillait là-bas à ce moment-là. On venait juste ouvrir l'église il y a 36 ans. Et on était 5-6 personnes, 7 personnes. Mais il y avait ce frère qui travaillait dans cette clinique. Et par son pied, j'ai pu rentrer dans cet hôpital et j'ai pu prier pour des personnes. Et j'ai vu des personnes être guéries. J'ai vu des personnes sorties du coma être guéries. J'ai vu des personnes donc, qui avaient eu des crises cardiaques, qui étaient au bord de la mort, à qui j'ai parlé, avec qui j'ai prié pendant qu'ils étaient vraiment dans un état difficile. Et quand ils se réveillaient, quand ils étaient guéris, « Ah, je n'ai plus besoin de votre Dieu. » Ah, c'était très bien que vous veniez comme ça, que vous priez tout, mais moi j'ai ma vie, j'ai mes loisirs. Seigneur, par ta grâce, toutes ces personnes ont entendu parler de Jésus et un jour ils vont répondre à Dieu, peu importe leur classe sociale, ils vont être obligés de dire, un jour j'ai entendu, un jour quelqu'un m'a dit qu'il y avait une éternité, avec Dieu ou sans Dieu. Un jour ils vont être obligés de dire, j'ai rejeté Jésus ou j'ai accepté Jésus. Il y a une moisson. Nous sommes engagés dans cette moisson. En parlant de moisson, moi je viens du Mexique où j'ai passé 20 ans. Je connais des centaines de pasteurs, milliers de personnes. Au Nicaragua, j'ai un neveu par mariage qui en 30 jours a perdu 39 pasteurs amis. Et au Mexique, c'est des centaines de pasteurs qui sont morts à cause du Covid. On dirait que c'est une moisson que Dieu ramène à lui, les ouvriers. Seigneur, alors remplace les ouvriers. Remplace les ouvriers. Parce qu'en Jean chapitre 12, il dit que quand le grain de blé tombe en terre et meurt, il porte beaucoup de fruits. Et moi, je crois qu'il y aura une grande moisson parce que dès le moment que le confinement a commencé, j'ai commencé à prier pour la moisson. Votre église est une des églises pour laquelle j'ai prié presque tous les jours. Pourquoi ? Parce que je sais qu'il y a un potentiel ici énorme. Je sais que le Seigneur a mis dans votre cœur et a mis dans le cœur de vos responsables le fait de susciter des faiseurs de disciples, des multiplicateurs de disciples, de ceux qui sont engagés dans la moisson. Mais Seigneur, j'ai dit, prépare la moisson. Pendant ce temps de confinement, pendant ce temps, Seigneur, dans lequel nous sommes un peu dans la confusion. Nous, on fait des zooms, on faisait des zooms de communion fraternelle, mais toute l'église ne s'ajoutait pas aux zooms. Et je dis, Seigneur, veille sur chacun. Veille sur chacun. J'ai été très préoccupé pour les célibataires, tous ceux qui étaient seuls. Et il y avait ceux qui étaient sur le zoom, et à la fin, donc, ils me disaient, Marc, mais c'est difficile pour nous, parce que nous, on ferme le zoom, et nous, on a les quatre murs, hein.
Vous avez vos familles, toi tu as ta femme à côté, donc bien sûr on ne pouvait pas voir nos petits-enfants, on ne les a pas vus pendant presque 4 mois, donc nos filles, leurs maris, etc. Donc, et alors ils disaient, mais la solitude était tellement, tellement dure, tellement forte, on a tellement, tellement souffert. Et bien sûr, quand on voit donc l'état dans lequel on était, c'était facile de nous distraire. C'était facile. Moi, j'ai connu des personnes qui m'envoyaient des vidéos par rapport à c'est spirituel, c'est pas physique, c'est une conspiration, ça vient de ci, ça vient de là. Je disais, mais attendez, mais vous inquiétez pas, il y a les gens qui meurent, et ça, on ne peut pas le nier. Et il y a des familles qui ont besoin de consolation, il y a des personnes qui ont besoin d'être fortifiées, il y a des cœurs qui sont brisés. Alors, ne me faites pas perdre mon temps à écouter des vidéos et à avoir des articles pour voir si c'est ci, si c'est ça. La réalité, c'est que je suis engagé à être ouvrier dans la moisson. Et que pendant ce temps, le Seigneur a touché des cœurs, a touché des vies. Moi, je suis convaincu. Je suis convaincu. Nous, on a fermé, bien sûr. On ne pouvait pas ouvrir l'église. Tout était fermé, on ne pouvait pas avoir d'activité, on ne pouvait pas avoir de réunion, rien, rien, rien. Moi, pendant 17 jours, au moment du confinement, donc j'ai dû rester, mais vraiment renfermé, parce que j'avais été en contact avec des personnes qui se sont avérées donc avoir été en contact avec un médecin qui avait le Covid. Donc, ils nous ont bien, bien dit, voilà, restez en marge. Et donc, ma femme et moi donc je suis resté, mais 17 jours, hein, sans sortir. Mais beaucoup de temps de prière, beaucoup de temps de lecture de la parole, beaucoup de temps donc de vraiment donc comprendre ce que le Saint-Esprit voulait dire dans un moment comme celui-ci. Et chaque jour, c'était la moisson, la moisson, la moisson. Le grand ordre de mission en Matthieu chapitre 28, verset 19 et verset 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur selon tout ce que je vous ai prescrit, car je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Être faiseur des disciples. Jésus, en Matthieu chapitre 10, après avoir dit, prier le maître de la moisson, il envoie ses disciples et il leur donne des ordres précis. Regardez avec moi en Matthieu chapitre 10. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon, le cananite, et Judas, l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher, dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Allez, prêchez, le royaume des cieux est proche. Nous avons tous un message qui a été raffiné, j'aimerais dire, qui a été affermi dans notre cœur pendant ce temps de confinement. Parce que nous avons passé du temps dans ce moment du désert. Le Seigneur nous a conduits dans le désert pour parler à nos cœurs. Le Seigneur a voulu nous parler comme il parlait avec les prophètes. Il a voulu vraiment qu'on soit mis à part. Mis à part. Savoir comment Dieu était en train de toucher nos cœurs et de nous préparer. Parce qu'il y a un grand ordre de mission qui ne disparaît jamais. Allez, faites les nations des disciples. Maître de la moisson, envoie des ouvriers. Envoie des ouvriers, Seigneur. Ah, le message ce matin, c'était excellent. Par rapport à l'appel de Dieu sur notre vie, c'était très bien pour le frère qui était derrière moi. Hein? Excellent. Ah, pour la sœur là-bas, c'était excellent. Mais vraiment, vraiment, je me suis réjoui parce que Dieu était en train de lui parler. Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit, nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées avant la fondation du monde pour que nous les accomplissions. Le Seigneur, avant la fondation du monde, a déjà préparé cette saison, ce temps dans lequel nous vivons. Il y a des œuvres à laquelle il nous appelle. Et alors chaque jour, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Où est-ce que tu veux que j'aille? Avec qui veux-tu que je parle? Parce que nous avons une mentalité de la moisson.
Des fois, quand je vais en Normandie, à l'église de Dieppe, en revenant le soir, surtout vers donc, le printemps et aussi l'été, je vois les machines à minuit qui sont sur les champs. J'ai entendu parler que beaucoup d'agriculteurs sont passés par des moments de crise. Il y a eu beaucoup de suicides parmi les agriculteurs. Pourquoi ? Parce que tout ce qui leur préoccupe, c'est la moisson. Et quand il y a des tempêtes, quand il y a de la grêle, quand ça détruit la moisson, quand ils voient que tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont investi est perdu, alors pour eux, leur monde donc, est écroulé. Pourquoi ? Parce qu'ils sont préoccupés par la moisson. Est-ce que nous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'ambassadeurs de Christ, est-ce que nous sommes préoccupés pour la moisson ? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous avez dit, maître de la moisson, envoie des ouvriers. Mais alors regardons 1 Corinthiens chapitre 3, verset 5. Et la bonne nouvelle, c'est que tu es la réponse à ta propre prière. Amen. Tu es la réponse à ta propre prière. Maître de la moisson, envoie des ouvriers. Il y avait un problème à l'église de Corinthe. Il y avait ceux qui se battaient en disant, moi je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. C'est Paul qui m'a baptisé. Il sentit sa main sur moi. Alors, Paul, il vient corriger l'affaire. Il dit, moi, je suis de Paul, moi d'Apollos. N'êtes-vous pas que des hommes ? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul ? Des simples serviteurs. Par le moyen desquels vous avez cru, selon ce que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. J'ai planté, oui, j'ai eu ma part. Apollos, il est venu compléter ce que j'avais fait, mais c'est Dieu qui a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Amen. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes, quoi ? Ouvriers avec Dieu. Nous sommes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Maître de la moisson envoie des ouvriers. Mais tu n'as pas à passer des heures à prier. Regarde dans le miroir. L'ouvrier est là. L'ouvrier est là. L'ouvrier est là qui tout d'un coup, il sent un besoin dans son cœur de se préparer, de prier, de passer du temps dans le jeûne et la prière, de passer du temps à chercher la face de Dieu, parce que Dieu va mettre les paroles dans son cœur. Regardez en Jérémie chapitre 1, quand Dieu va appeler Jérémie, la parole de l'Éternel me fut adressée, verset 4 en ces mots, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Je répondis à Seigneur Éternel, « Voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Plein d'excuses. « Ah non, mais non, tu sais, bon... Moi, j'ai ce projet, je dois faire ci, je dois faire ça. Bon, sinon je te servirai, mais à l'âge de 50 ans, peut-être. Peut-être à l'âge de 60. Il dit, je ne sais point parler car je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, que vois-tu Jérémie ? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Quelle est la parole que Dieu a prononcée sur nous ? Nous sommes ouvriers avec lui. Alléluia. Nous sommes appelés à être ambassadeurs de Jésus.
Nous sommes appelés à exercer un ministère de réconciliation. Nous sommes appelés à être des gagneurs d'âme. Nous sommes appelés à être des multiplicateurs de disciples. Nous sommes appelés à faire des disciples. Dieu a déclaré sur nous. Vous savez, il y a des personnes qui ont un appel particulier. Qui ont un appel, qu'ils doivent se déplacer, qu'ils doivent aller ailleurs, qu'ils doivent donc se préparer dans une certaine spécialité. Il y a des personnes qui ont à cœur, par exemple, donc le conseil biblique pour pouvoir conseiller les personnes selon la parole de Dieu. Ils vont donc passer du temps à se former un petit peu dans la relation d'aide. Donc voilà pourquoi, parce qu'il y a un appel particulier. Pour Denise et moi, l'appel a été que Dieu nous voulait en France. Moi, je voulais rester au Mexique. Le Mexique, c'était ma ville. Le Mexique, c'était là où le Seigneur donc, m'avait fait grandir. Mais le jour est venu quand, dans la prière, il m'a montré que son plan était que je participe à la moisson en France. Et je me rappelle ce jour quand j'ai dit, Seigneur, bon, tu m'as appelé à l'âge de 12 ans. Depuis l'âge de 12 ans, je savais que je devais aller à l'école biblique, me préparer. Depuis l'âge de 12 ans, je savais que tu voulais que je témoigne, donc, et que j'aille vers les personnes et que je leur pose des questions qui leur rend un petit peu mal à l'aise, parce que c'est des questions par rapport à l'éternité, des questions par rapport à la foi, etc. Mais donc, je sais, Seigneur, mais donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et le Seigneur m'avait fait comprendre qu'il fallait que je prie en langue. Et que je puisse selon la volonté de Dieu, et qu'il allait me révéler ce que j'étais en train de demander. Et alors, c'était le 18 novembre 1974. Je me réveille à 5h30 du matin comme un ressort, prie pour la France. J'avais passé du temps pendant 2-3 jours à prier en langue. Je savais que c'était un moment formateur, un moment dans lequel Dieu allait façonner mon appel. C'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de moi? Comment est-ce que je peux prier selon ta volonté? Et c'était prie pour la France. Prie pour la France. Et pendant 3 semaines, tous les matins, 5h30, comme un ressort, prie pour la France. Bien réveillé. Prie pour la France. Prie pour la France. Prie pour la France. Et au bout de 3 semaines, j'ai commencé à penser aux milliers d'églises, aux milliers de pasteurs, aux millions de convertis qu'il y avait en France. C'est Seigneur, bon Seigneur, bénis-les, c'est formidable, certainement, etc. Mais après, j'ai rencontré un couple qui avait passé 15 ans à Paris. Ça fait partie de la moisson. Elle m'a dit, on a passé 15 ans à Paris. On a donné des centaines de milliers de traités. On sortait avec nos guitares devant la Sorbonne, devant l'Opéra, donc à côté de Bastille. On donnait des traités, on chantait, on prêchait, personne ne s'arrêtait. Les gens se moquaient de nous, ils nous déchiraient les traités en plein visage, ils nous crachaient dessus, ils se moquaient de nous. On revenait à la maison avec nos enfants. On passait des nuits entières dans la prière, dans l'intercession, dans les pleurs. Disons, Seigneur, tu nous envoyais en France. Tu nous envoyais être des moissonneurs ici en France. Seigneur, tu nous as appelés. Seigneur, nous sommes là. Et le lendemain, il ressortait. Et révélait la même chose. Et un jour, au bout de 15 ans, de s'aimer à Paris, ils se disent l'un à l'autre, en 15 ans, on n'a jamais vu une seule personne répondre d'une manière positive à une prière, à un chant, à un traité, à un message. Et avec des larmes aux yeux, ils ont acheté des billets d'avion et sont retournés dans leur pays, dans la défaite totale. Et elle me dit, surtout, ne va pas en France. Les Français n'ont pas besoin de Dieu. Elle a commencé à pleurer. Elle me raconte son histoire. Et Dieu me dit, dans mon cœur, je n'ai pas entendu une voix audible, mais je sentis profondément, c'était un rendez-vous divin. Dieu me dit, tu iras.
il a une moisson. Ils ont préparé une moisson. Ils sont partis dans la défaite. Ils ne veulent plus rien savoir. Mais ils ont été fidèles. Ils ont préparé une moisson. Et tu iras. Et tu vas moissonner là où ils ont semé. Tu vas moissonner là où eux, ils ont pleuré. Et c'était très clair dans mon cœur et ça casse l'orgueil, n'est-ce pas? Et si quelqu'un s'est converti quand toi tu prêches, ce n'est pas du tout grâce à toi, hein? C'est grâce à eux. Si quelqu'un est guéri, ce n'est pas grâce à toi. Tu n'es pas l'homme de la situation. Tu n'es pas, oh, on attendait que tu arrives. Pas du tout, c'est grâce à eux. C'est grâce à s'il y a d'autres personnes qui ont prié, qui ont intercédé, qui ont prié pour la France. Moi, j'ai rencontré des personnes âgées depuis mon arrivée il y a 39 ans qui disaient, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, je plie mes genoux tous les jours et je demande au Seigneur de visiter la France. Je demande au Seigneur de visiter les cœurs des Français. Et à combien de reprises, quand je rencontre quelqu'un, je me dis, merci Seigneur pour ce couple, ces trois enfants qui ont été fidèles. La France a été connue comme le cimetière des ministères. La France a été connue comme un lieu des tombeaux, des monuments en mémoire de ceux qui se sont donc découragés. Mais vous savez, rien de ce qu'on fait n'est en vain. Aucune prière, aucun chant, aucun traité, aucune parole, aucune exhortation, rien n'est en vain. Et ça a été mon appel pour la France. Le 18 novembre 1974, je savais que même si le Mexique était mon pays, un jour j'arriverai en France. Le premier pasteur que j'ai rencontré, c'était Jackie, il y a 39 ans. Don Luz m'avait conseillé par un autre frère son numéro de téléphone. Et donc j'ai été à une de leurs premières réunions à côté de la gare du Rancy, dans une petite pièce. Et j'étais là, et quel privilège de pouvoir être là. Et on a chanté, on a prié. Moi, je parlais pas le français, je parlais l'anglais, bien sûr, un peu l'espagnol aussi. Mais alors, je savais qu'il y avait une moisson en France. Je savais qu'il y avait un peuple que Dieu préparait en France. Et moi, je voulais être engagé dans cette moisson. Pourquoi est-ce qu'on croit à la moisson? Selon Luc, chapitre 8, dans la parabole du semeur, il y a quatre cas de figure. Vous connaissez bien la parabole du semeur. Le verset 5, un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds par les passants et les oiseaux du ciel la mangèrent. On dirait que c'était de la semence perdue. Dieu sait. Dieu sait. Il y avait un pasteur au Mexique qui portait dans son porte-monnaie le traité qu'il avait rencontré dans la rivière. Quand mon père était passé avec son avion, quatre places, pour bombarder avec des traités, un pilote parle de Dieu, un pilote parle de la fin du monde, un pilote parle du salut, un pilote parle de la paix, un pilote parle de la guérison. Et il allait là où il n'y avait pas de route. Et là où il y avait donc cet homme, il était en train il était berger des brebis et des chèvres. Et il voit mon père passer dans cet avion. Et les traités descendent. Et c'était un peu loin. Et tout d'un coup, une demi-heure après, le fleuve qui passait, il voit un de ces traités et il va le repêcher. Il lit le traité. Il écrit et il dit, je veux un nouveau testament. J'ai fait la prière qu'il y avait à la fin du traité. Je veux moi-même donc connaître Dieu. Cet homme est décédé à l'âge de 76 ans l'année dernière. Et pendant les 50 ans
depuis son ministère, il a ouvert 50 églises. 50 églises. Quelle imagination, passer avec un avion, c'était permis à l'époque. Laisser tomber des traités. Et je vous ai déjà dit, mais qu'en l'espace de 10 ans, 300 000 personnes ont écrit en disant, je veux l'étudier, l'évangile de Jean, je veux un Nouveau Testament en espagnol, je veux connaître Dieu. Et par la radio, une émission de radio de 15 minutes par jour, le Mexique a commencé à connaître un réveil. Et Dieu a commencé à toucher le Mexique. Et aujourd'hui, il y a plus de 22 millions de chrétiens évangéliques au Mexique. Aujourd'hui, il y a des centaines d'églises qui ont été décapitées de leurs pasteurs à cause du Covid. Mais Dieu est en train de susciter des ouvriers. Ce matin, j'ai parlé avec un homme pendant une heure et demie. Et il me dit, donc, vous ne me connaissez pas, je connais donc un très très bon ami à vous. Donc, et alors, il faut qu'on forme des jeunes. Il faut qu'on fasse quelque chose que vous pourriez donc participer sur des Zooms et pouvoir former des personnes. Parce qu'il faut qu'il y ait des jeunes qui se lèvent pour remplacer toutes ces personnes qui sont parties dans cette moisson céleste. La Bible dit dans le psaume 116 qu'elle est précieuse aux yeux de Dieu, l'amour de ses saints. On ne comprend pas pourquoi il se fait qu'au Nicaragua, 39 pasteurs soient partis en 30 jours. Qu'au Mexique, il y a des centaines de pasteurs qui partent à droite, à gauche. Des hommes de foi. Moi, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, oui, mais bon, ils n'avaient pas la foi. Mais ne me dis pas qu'ils n'avaient pas la foi. Ils étaient en train de marcher avec Dieu. La maladie est arrivée. Ils ont été relevés, enlevés. Mais alors maintenant, il faut qu'à la place, il y ait encore d'autres soldats qui se lèvent, d'autres ouvriers qui se lèvent, et que l'œuvre de Dieu continue, parce que l'Église continue à être vivante, victorieuse et triomphante. Alors, une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle s'échappa parce qu'elle n'avait point d'humilité. Vous savez, des fois, on va donner une parole, mais la personne ne cherche pas à ce que cette parole soit enracinée en elle. Alors, elle se sent dans la joie en écoutant. Ah, mais ça m'a vraiment fait du bien. Mais il n'y a pas de racine. Et donc, le soleil arrive, il n'y a point d'humidité, ça sèche. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elles, elles savent tout faire. Donc, c'est les soucis de la vie, c'est les choses qui viennent pour nous distraire, les choses qui viennent pour nous dérober cette parole précieuse que Dieu a plantée en nous. Mais la raison pour laquelle il y a une moisson dans laquelle moi je suis intéressé, c'est qu'une autre partie tomba dans la bonne terre. Alléluia. L'autre partie tomba dans la bonne terre. Dieu sait à quel moment la personne à qui tu déclares une vérité de la parole de Dieu sera la bonne terre. Nous ne savons pas qui représente cette bonne terre, mais il y a la bonne terre. Et quand il y a la bonne terre, quand la plante se lève, elle donne du fruit au centuple. Elle donne du fruit au centuple. La moisson est là. La moisson est là. En Jérémie chapitre 8, le prophète qui se plaignait parce que personne ne voulait revenir à Dieu. Le prophète qui se plaignait parce que le peuple souffrait la conséquence de leur rébellion, de leur attitude de rejet. Et il dit, je voudrais soulager ma douleur, verset 18, mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées par des idoles étrangères? Et ce peuple qui s'était révolté contre lui, qui s'était éloigné, ce peuple donc qui avait décidé de ne pas revenir à Dieu, devait constater une chose, le verset 20, la moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. La moisson est passée. Quand la moisson passe, il n'y a plus de blé. Il n'y a plus d'orge. La moisson est passée. L'été est fini. Et il constate avec tristesse et avec horreur. Et nous ne sommes pas sauvés. Est-ce que ce n'était pas pour nous ce message?
On entend parler des gens qui prêchent, qui aiment Dieu, qui aiment les uns les autres, etc. Mais personne ne nous a jamais parlé. Alors, on se réveille, et on constate la moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Ce n'est pas pour nous. Nous n'avions pas le droit d'entendre l'amour de Dieu. Nous n'avions pas le droit d'entendre parler de la paix, du pardon de nos péchés. La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. On a un frère qui a passé 28 jours dans le coma. J'ai pu le voir, je l'avais vu donc en février, j'ai pu le voir enfin cette semaine. Après 28 jours dans le coma, l'église était à genoux en prière pour lui jour après jour et on intercédait. Il s'est réveillé un matin. Ses poumons étaient nickel. Il est en rééducation actuellement parce que comme il était dans le coma, il a perdu sa capacité de marcher. Donc il est en train de faire une rééducation pour marcher. Mais il me dit, Marc, je l'ai vu pour la première fois cette semaine. Il me dit, Marc, il y a un service ici où il y a des gens qui sont en train de mourir du Covid. Et j'ai dit, mais moi je veux aller les voir. Non, mais ils ne permettent pas. Tu viendras avec moi et tu vas leur témoigner. Tu vas leur dire ce que Jésus a fait dans ta vie. On a une autre sœur de 88 ans qui était au bord de la mort. Le lendemain, elle se réveille entièrement guérie. Guérie. Elle n'arrête pas. Elle a même fait sur YouTube sa propre chaîne pour témoigner de ce que Dieu a fait, de citer des versets de la Bible. Mais elle a le feu. Elle a le feu de Dieu. On a un frère de 54 ans qui nous a quittés. Laissant sa femme, ses enfants. Le Seigneur sait, il est souverain. Quand je pense aux pasteurs qui sont morts, je me suis dit, mais au moins c'est les pasteurs qui partent et pas les non-croyants. Au moins c'est les pasteurs qui savent et on sait qu'ils sont dans la présence du Seigneur et pas d'autres personnes qu'on connaîtrait qui ne connaissent pas le Seigneur. Il ne faut pas que les gens dans notre entourage tirent la conclusion en disant avec des larmes aux yeux, la moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Ce verset-là me fait pleurer. Et ce n'est pas que de l'émotion. Il faut que notre vie compte. Parce que nous avons entendu la voix de Dieu. Ésaïe 6, l'année de la mort du roi Ozias. Vous pouvez voir le contexte par rapport au roi Ozias. Ésaïe aurait pu se décourager, mais je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 ils se couvraient la face, dont 2 ils se couvraient les pieds, et dont 2 ils se couvraient, ils les utilisaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, face à telle sainteté, face à cette scène, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et en plus, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. À l'époque, vous vous rappelez que les prophètes, ils représentaient le peuple. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de médiateurs, d'intermédiaires. On a la relation directe avec Dieu. Mais à l'époque, ils représentaient le peuple. Et alors, ils se rendaient compte que voilà, donc il était perdant dans la situation. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Et là, il entend la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Sommes-nous engagés
à tel point de prendre le risque de dire, maître de la moisson, envoie des ouvriers dans ta moisson, sachant qu'il pourrait nous dire, ah mais justement, je voulais te parler de ça. Je voulais te dire que j'ai un plan. J'ai mon agenda. Oui, je t'avais noté ici dans mon agenda. J'avais rendez-vous avec toi. Ça tombe bien que tu pries, maître de la moisson, envoie des ouvriers. Et ça réjouit mon cœur de savoir que tu es prêt. Allez dans les champs. Allez dans les champs qui sont blancs et prêts pour la moisson. Dans la maison de mon Père, on trouve l'amour, la joie, la paix. La table est toujours abondante, tout le monde est satisfait. Il y a des chants de rire, jour après jour. Mais soudain, on entend la voix du Père retentir. Ma maison est remplie, mais les champs sont vides. Qui ira avec moi pour travailler? Il semble que tous mes enfants veulent rester manger à table. Personne dans mes champs ne veut aller. Veux-tu dans mes champs aller? Fixe ton regard par la fenêtre, les champs sont prêts, la moisson est préparée, il faut la récolter. L'humanité périt de jour en jour, mais il y a manque d'ouvriers. Qui peut entendre la voix du Père et répondre, me voici. Ma maison est remplie, mais les champs sont vides. Qui ira avec moi pour travailler? Il semble que tous mes enfants veulent rester manger à table. Personne dans mes champs ne veut aller. Veux-tu dans mes champs aller? Fermons nos yeux un instant, s'il vous plaît. Restez dans le recueillement. Sans aucune accusation ni culpabilité. Mais parmi tous ceux qui sont ici ce matin, combien de vous, vous avez déjà connu la joie de parler et prier avec un pécheur qui se répand et qui rentre dans la famille de Dieu? Combien de vous avez eu la joie d'annoncer la parole à tel point d'emmener la personne à prendre la décision pour Christ? Et qu'aujourd'hui, ils sont enfants de Dieu. Levez votre main. Levez votre main. Oui. Levez votre main. Ok, vous pouvez la baisser. L'humanité a besoin des ouvriers qui se lèvent. Chaque individu que nous croisons a besoin des ouvriers qui se lèvent. Si ce matin Dieu a parlé à ton cœur et que tu veux avoir une mentalité différente. Vous savez, quand on gagne des âmes pour Christ, on devient passionné. Vous pouvez me regarder. On ne peut plus s'en passer. Moi, c'était à l'âge de 9 ans que je me rappelle ces 5 garçons qui était plus âgé que moi, mais qui était plus petit, parce que moi, j'étais plus grand. Ils ont accepté Christ dans leur cœur. Ça, c'était ma première fois.
partir de là, je ne pouvais pas me taire. À partir de là, il fallait que je parle aux gens. Il fallait que je leur pose la question. Il fallait que je sois clair avec eux. Parce que peut-être ces gens-là ne croiseraient plus jamais mon chemin. Il y a quelques années, on a voyagé dans cette région du Mexique. Et on m'a informé que deux de ces cinq garçons sont pasteurs. Ils servent le Seigneur. Moi, j'avais 9 ans. Je dis non, mais je suis trop petit. Qu'est-ce que je pourrais dire à l'école? Qu'est-ce que je pourrais dire à mes copains, à mes copines? Ils ne vont pas me croire, ils savent que je vais à l'église le dimanche, mais bon, ils ne comprennent pas. Ne te limite pas. Sois un ouvrier dès ton enfance, dès ton adolescence, dès ta jeunesse. Sois un ouvrier dans sa moisson. Si Dieu parle à ton cœur, lève-toi à ta place. Lève-toi à ta place. Lève tes mains vers le Seigneur. Seigneur, tu as regardé la foule. Tu as pleuré sur elle. Parce que c'était des brebis sans berger. Tu étais ému de compassion. Car tu savais que même dans cette ville de Jérusalem, à la fin de la journée, pour les uns et les autres, la moisson serait terminée. Seigneur, je suis bien conscient qu'en France, il y a une moisson qui passera à l'éternité avant l'arrivée de minuit aujourd'hui. Dans mon quartier, il y a une moisson qui passera. Dans ma ville. Et Seigneur, tu me dis, en tant que ton ouvrier, je pourrais faire la différence. Je te demande, Seigneur, que tu nous remplisses d'un amour pour les âmes, d'une compassion pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui te rejettent sans te connaître, mais qui préfèrent passer au large. Lorsqu'on va évangéliser dans la rue, il y a plein de gens qui passent et non, non, ça ne m'intéresse pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Seigneur, ça ne veut pas dire que nous, on peut baisser les bras. Ça ne veut pas dire que nous, Seigneur oh Dieu, on peut dire que ça ne vaut plus la peine d'évangéliser. Ça ne vaut plus la peine d'annoncer la parole. Ça ne vaut plus la peine de prier, de pleurer. Je te demande, Seigneur, que tu nous apprennes à pleurer l'état des personnes. Touche nos vies. Que la priorité de notre vie à partir d'aujourd'hui soit la moisson. Et il n'y a rien qui va nous distraire. Car il faut qu'on arrive jusqu'à la fin de l'été. Il faut qu'on arrive jusqu'à la fin de la moisson. Et bien sûr, pour nous spirituellement, ça veut dire qu'il faut qu'on soit fidèle jusqu'au bout, jusqu'au moment du retour de Jésus-Christ, jusqu'au moment où nous serons rappelés à ta présence. C'est là quand l'été sera fini. C'est là quand la moisson sera passée par rapport à notre implication en tant qu'ouvrier. Mais Seigneur, nous n'oublions pas que tous les jours, le temps passe. On ne peut pas rattraper hier. Seigneur, touche nos cœurs. Ouvre les yeux de nos cœurs. Et donne-nous ton amour, ta compassion et la persévérance dans l'intercession, jusqu'à voir le fruit qui sera pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va rester debout, bien aimé. Alléluia. Me voici. Je m'abandonne à toi. Me voici prêt à te servir. Je vais demander à l'équipe de louange si vous voulez bien venir, s'il vous plaît. On va reprendre ce petit cœur. Me
passé. Je m'abandonne à toi. Oh, me voici prêt à te servir. On va le reprendre encore une fois et je voudrais que, après qu'on l'a repris, nous puissions tous ouvrir nos bouches pour parler à Dieu. Je crois que Dieu nous a parlé, peut-être on lui a répondu, j'en doute pas, hein, mais j'aimerais qu'on puisse lui dire, eh bien voilà Seigneur, tu m'as montré ça ce matin, je veux le faire, tu m'as montré ceci, je veux aller, tu m'as appelé simplement peut-être à être un témoin dans mon quartier, tu m'as appelé simplement à te servir dans tel et tel service à l'église. Me voici, voici. J'aimerais qu'on le confesse de notre bouche ce matin. Mais on va reprendre ce chant encore, ce petit cœur encore qui dit « me voici Seigneur, me voici, ô Seigneur, je m'abandonne. Jésus, me voici prêt à te servir. Voilà, pendant que les instruments continuent, j'aimerais qu'on ouvre nos bouches maintenant et qu'on parle à Dieu. Me voici, Seigneur. Me voici maintenant. Me voici, parle au Seigneur, dis-lui peut-être ce qu'il t'a montré. Réponds-lui par rapport à ce qu'il t'a montré, à ce qu'il t'a dit. Dieu attend une réponse aussi de toi. Tu lui as peut-être donné dans un certain sens en te levant, mais peut-être il attend quelque chose de précis. Il te demande des choses peut-être toutes simples, mais dis-les-lui, je veux le faire, Seigneur. Je veux le faire, je veux te servir vraiment. Je veux aller dans cette moisson, je veux prendre ma place dans la moisson. Vous savez, dans la moisson, il y a ceux qui sont dans les champs, mais il y a ceux qui sont aussi sur les machines, il y a ceux aussi qui préparent peut-être le repas de ceux qui vont rentrer tout à l'heure fatigués. Il y a ceux qui sont prêts aussi à attacher les sacs, qui sont prêts à charger les sacs. Oh, il y a tellement de travail dans la moisson, mais il y a de la joie. Dieu t'appelle, Dieu t'appelle, Dieu t'appelle. Parle-lui, 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 parle-lui maintenant. Me voici, Seigneur, je vais faire ce que tu me montres. Oh, je ne sais pas comment, mais je vais faire, Seigneur, je vais faire. Me voici, Jésus. Oh, Seigneur, me voici, Jésus, je m'abandonne. Oh, Seigneur, prêt à te servir. C'est vrai que quand nous disons me voici au Seigneur, il y a un abandon. Il y a un abandon parce que des fois on veut servir Dieu de la façon qu'on a pensé nous-mêmes, de la façon dont on s'est imaginé. Et puis Dieu veut autre chose pour nous. Des fois nous tournons en rond parce qu'on dit mais je sers Dieu pourtant, mais peut-être tu n'es pas à ta place, tu ne fais pas ce que Dieu veut, tu cherches ta volonté, pas la volonté du Seigneur. Abandonne-toi à lui. Il a le meilleur pour toi. Il a le meilleur. Il sait pourquoi il t'a appelé sur cette terre. Il sait pourquoi il t'a placé là. Il sait pourquoi tu passes maintenant par telle et telle étape. Il sait pourquoi. Abandonne-toi. Abandonne-toi, Jésus. C'est quand on s'abandonne à lui, vraiment qu'on peut être vraiment utile. On le reprend encore une dernière fois, puis on va terminer la réunion. Alléluia. Oh, me voici. Oh, Seigneur, je m'abandonne à toi. Me voici, prêt à te servir. Alléluia, oui, nous voulons te rendre gloire, Seigneur. Parce que nous sommes venus dans ta maison ce matin, nous nous sommes connectés ce matin et tu nous as parlé, tu nous as visités. Merci Seigneur, merci pour ta parole qui a été annoncée.
merci, ô notre Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, juste avant de terminer, je vous rappelle que ce soir, notre rencontre de 20h donc, est sur le net. Donc ne venez pas à l'église, vous qui êtes connectés aussi, eh bien, connectez-vous à nouveau à 20h ce soir. Ça sera le pasteur Marcos, encore, qui va apporter la parole de Dieu. Nous aurons un temps de prière aussi, un temps de louange, un temps de prière, donc de 20h à 22h ce soir. Voilà, je vous invite à sortir tranquillement. Alors on suit les flèches, hein. C'est sens unique, hein. Il n'y a pas de double sens. Voilà, bonne rentrée à chacun. Mettons vraiment la parole de Dieu en pratique dans nos vies. Alléluia. We'll be right back.